Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. C'était un personnage, une mémoire et un amoureux des sports. Notre collègue Camille Alexandre est décédé tôt ce matin des suites d'un accident de la route. La nouvelle de la disparition de cette icône du paysage audiovisuel a provoqué une véritable onde de choc en Martinique. C'est une immense perte d'un passionné de son métier et des sports en particulier que nous déplorons aujourd'hui. Moi, je suis un guerrier, je me suis battu. Je me suis dit, bon, j'ai fait un AVC, j'ai un œdème. Mes deux mains ont gonflé comme un gâteau, moi mes deux pieds sont engourdis, je suis mal. Et puis beaucoup de gens sont venus me voir. Les gens me disent, ah ouais, mais tu as un petit problème au niveau de la bouche, parce que c'est vrai, mais je suis reparti. J'ai pris confiance en moi et j'ai pu d'ailleurs faire le tour des yoles, qui était l'exercice le plus important pour moi, commenter le tour des yoles. Et j'ai retrouvé tous les vieux réflexes, j'ai retrouvé la mémoire et je continue. Mais il faut faire très attention. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un deuxième AVC. Cette phrase, il l'a prononcée il y a tout juste un mois, le 9 janvier, dans l'émission Résonance consacrée à l'AVC. Camille Alexandre est donc décédée tôt ce matin dans un accident de voiture. Il faut savoir que pour l'instant, les causes exactes de son décès ne sont pas connues. Tout au long de ce journal, nous retracerons son parcours exceptionnel. Nous entendrons les réactions de tous ceux qui l'ont connu, mais aussi des anonymes qui lui rendent hommage aujourd'hui. Marie-Josée Ali est avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, Marie-Josée Ali, vous avez été journaliste, rédactrice en chef, puis directrice de la station de Clairière. Et vous avez bien connu Camille Alexandre. Quelle est votre première réaction à cette nouvelle ? Beaucoup de chagrin. Vraiment beaucoup de chagrin. Et puis... un choc. Moi, je regardais les images de Camille en train de dire, voilà, j'ai eu un AVC, mais voilà, je suis au combat, je suis retournée, j'ai fait le tour des yoles. C'était son dada. Ne pas faire le tour des yoles, c'était juste impensable pour lui. Et c'était cet homme courageux qui se battait tout le temps. Il s'est battu pour être là où il était, pour faire ce qu'il a fait de sa vie professionnelle. Et j'ai beaucoup d'admiration et j'avais beaucoup d'affection pour Camille parce que c'était un homme droit, c'était un homme debout. Et c'est un homme qui s'est fait tout seul. Il n'est pas arrivé bardé de diplômes des écoles et tout. Non, je lui disais, mais Camille, tu te rends compte, t'es ni audio ni visuel. C'était drôle parce qu'on se marrait. T'es pas le petit mignon qu'on va mettre à l'antenne tout de suite parce qu'il a une belle gueule. T'as un accent tellement différent, tellement prononcé. Et avec tout ça, il forgeait le respect. Il forçait le respect et l'admiration de tous. Nous allons le voir. Et c'est vraiment, j'ai un gros truc sur le cœur. Camille Alexandre, c'était une véritable encyclopédie sportive et le personnage ne laissait pas indifférent. Son parcours professionnel est à l'image de l'homme, combatif, volontaire et tenace. Il avait couvert d'innombrables manifestations sportives, mais aussi des événements politiques. Retour sur les faits les plus marquants de sa carrière avec Dominique Legros. Alors Camille, pas de trêve pour les sportifs, mais une trêve pour vous, pas d'émission ce week-end. Pas d'émission sportive ce dimanche à 18h15, mais dans les jours... Eh bien Camille ne croyait pas si bien dire. C'est une séquence du JT13 d'hier, vendredi 9 février. Un personnage réel, très controversé, et qui malgré tout conservait la cote de popularité la plus grande du paysage audiovisuel. Quand il a intégré la rédaction radio en 1976, nul ne se doutait que ce pigiste deviendrait aujourd'hui le journaliste sportif le plus populaire de la Caraïbe. Aucune discipline n'a de secret pour lui. En matière de dates, de médailles, de renommée sportive, Camille Alexandre est incollable. Il a une mémoire d'éléphant, capable de revenir sans hésitation sur n'importe quel événement. 18h15, l'heure du magazine sportif de la première. Ces émissions s'appellent Sportissimo, Foot Sabel et la dernière en date, Sport Première. Un magazine qui met bien sûr en exergue les sports les plus pratiqués, mais qui a la particularité de mettre en lumière les talents les plus insoupçonnables. Faire du sport un élément culturel à part entière, c'est une rubrique que Camille menait aisément dans les émissions de proximité. Nommé responsable d'édition en 1996, il démissionne de son poste quelques années plus tard. Le terrain lui manque bien trop. Mais Camille Alexandre, c'est surtout le présentateur incontournable du Tour des Yolles Rondes. Bonsoir à tous, c'est l'heure du grand format démonstration de force de l'aïeul de François. On cherche la risée et on tête déjà Zapeti Gerbelapalooza. Boycotté par le public en 2014, c'est ce même public qui le plébiscite et qui, dans une pétition, réclame son retour à l'antenne l'année suivante. L'exemple type du raïchien dit dingue blanc. Des expressions inoubliables, un franc-parler qui ne plaisait pas toujours. C'est ce qui forge le tempérament de ce journaliste de FR3, RFO, Télé-Martinique, Martinique Première, puis La Première. Jusqu'au bout, il a montré sa détermination à promouvoir le sport et à l'intégrer dans le système éducatif. Moi, je retiens de l'homme son professionnalisme. Mon rapport avec lui, je le connais depuis son enfance. Et puis, je l'ai rencontré alors qu'il était jeune pigiste avec Jean-Claude Ziémé. Mais il a... Si vous voulez, je donne un exemple. Vous voulez parler à Neymar aujourd'hui, vous appelez Camille, il ne connaît pas Neymar, il n'a pas le numéro de Neymar, mais il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis il avait une mémoire extraordinaire. Alors c'est là qu'on s'accrochait un petit peu autour des yoles parce que sa mémoire des yoles était à peu près équivalente à la mienne. Mais Camille va beaucoup nous manquer sur le tour des yoles. Le tour des yoles ne sera plus pareil. C'était une véritable encyclopédie alors. C'était une encyclopédie du sport. C'était une encyclopédie du sport. Il avait sa tablette parce qu'il était, nous sommes dans un monde moderne, mais il avait son petit carnet qui avait des numéros dans tous les sens. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils se retrouvaient dans cette affaire-là, mais c'était un grand professionnel. Indépendamment des camillades, de ces petits machins qui nous ont tous amusés, c'était un professionnel, c'est ce que je retiens de lui. Bon, merci. Tout le monde parle de Don Camillo, je parle pas du boss, c'est plus récent. Don Camillo, nous animions à l'époque avec le post-match, le secrétaire général du comité olympique, grande soirée de gala de remise des prix des meilleurs sportifs de l'année, 450 personnes, et Camille arrive avec un borsalino, croisé, vraiment le mafieux avec la boutonnière. Je dis voilà Don Camillo avec nous, donc c'est toute mon histoire avec lui, puis vous savez le RS Martinique Première, le Tour du Yol. Le Tour du Yol ne sera jamais plus rien, ne sera jamais plus un Camille. Alors c'est Camille Alexandre que nous retrouvons. Bien sûr, Catherine, alors je vous donne tout de suite le taux de participation ici à Sainte-Marie. Les élections, surtout dans son fief de Sainte-Marie, étaient aussi un défi sportif pour lui. À 13h. Camille Alexandre. Rescapé d'un AVC en 2017, c'est en revenant d'un tournage que sa vie a choisi de s'arrêter ce samedi 10 février 2018. Une perte considérable pour la Martinique. Camille Alexandre, grand reporter à La Première, aurait eu 64 ans le 25 mars prochain. Vive les sports, sportez-vous bien et que votre semaine soit belle. L'absence de Camille Alexandre se fera sentir sur le terrain et lors de toutes ces manifestations sportives auxquelles il se rendait. Ce matin, les pratiquants de nombreuses disciplines ont accusé le coup, comme si le sport martiniquais perdait son ambassadeur. Delphine Besse, Olivier Nicolas Duclos. Comme chaque samedi, ils sont là, balle au pied. Oh, joli! Ces anciens joueurs de club s'entraînent comme d'habitude, mais aujourd'hui, rien n'est vraiment comme d'habitude. C'est un véritable coup de massue. Sincèrement, je crois que la Martinique perd voilà, plus qu'un journaliste sportif. C'est une véritable personnalité du monde social. Et puis, nous, football, nous sommes vraiment orphelins. Il avait toujours un petit surnom à me donner. Et il m'appelait Ferrand Maréchal. J'appréciais pas trop. Et un jour, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, bon, écoute, Camille, si tu ne peux pas dire Patrick Ferrand de l'Exception, tu dis le numéro 8 de l'Exception, tout le monde, on saura c'est qui. Et ça l'avait fait sourire. Et depuis ce jour, bon ben, il avait rectifié le tir. Mais c'est dans tous les cœurs. Hein. Ce matin, personne ne voulait croire au décès de Camille Alexandre, dont Camillo pour les amis. Et chacun a voulu vérifier encore et encore l'information sur les sites officiels. 40 ans près des terrains, le vide est grand. Je l'ai connu, nous avons fait notre service militaire en 77 à 2Z. Ça m'a vraiment touché, je vous dis sincèrement, et je me suis remémoré les années passées au stade de 2Z. Nous avons joué au foot, nous avons une superbe équipe de foot à 2Z. Nous gagnons tous les tournois avec lui. Est-ce qu'il était fort? Si, il était vraiment un défenseur. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis le lycée Chercheur. Et bon, il faut dire qu'on a perdu une encyclopédie du football, ça c'est sûr. Mais Camille, c'était l'homme de tous les terrains, toutes les disciplines. Et il adorait la gymnastique et tous ces gamins qui travaillent dur et méritent d'être mis en avant. Je pousse ma poitrine. Vous étiez heureux à chaque fois de le voir venir avec sa caméra? Oui, on était très heureux parce qu'en plus c'était un bout en train très professionnel et on avait à chaque fois un très bon moment partagé avec Camille et surtout derrière on voyait d'excellents reportages qui nous tiraient vers le haut et ça amenait du monde à votre discipline aussi? Oui, parce qu'il permettait au grand public de savoir qu'en Martinique, entre autres, il existait différents clubs, différentes sections de gymnastique. Et du niveau. Et oui. Camille était attendue au gymnase demain pour la rencontre Petite Enfance. Et comme il était partout, c'est également lui qui devait couvrir la semaine nautique de Schœlcher. La semaine nautique, c'était Camille Alexandre, hein, avec toute sa ferveur, tout son franc-parler. Et voilà, donc il va nous manquer. Je pense que quelque part, on aura une pensée pour lui, vraisemblablement, du moins j'ose espérer, pour la remise des prix. Je ne sais pas si tout le monde aura le cœur de venir faire des reportages comme habituellement, donc ça va changer un petit peu les choses. Mais je pense que tous ceux qui l'ont côtoyé auront une petite pensée pour lui et toute sa famille. C'est donc un monument du sport martiniquais qui disparaît. Tous les représentants des disciplines sportives en Martinique sont unanimes. Camille Alexandre a énormément œuvré pour le sport martiniquais. Du cyclisme à l'aïeul en passant par le sport mécanique, Camille Alexandre a laissé une empreinte indélébile dans le monde sportif. Christophe Arneret et Marc-François Calmeau ont été à la rencontre des présidents de ligue. Voici leur réaction. Sur tous les terrains sportifs, même ambiance, comme ici, à Corydon, avant le choc USC Citron-Arsenal, une minute de silence en hommage à Camille Alexandre. Camille, pendant un moment, il a boosté le handball parce qu'il avait organisé des matchs avec la presse. Donc aussi, il y avait des gens qui venaient parce qu'il se disait toujours handballeur. Il faut garder aussi les retransmissions de Magic Cup de France. Il faut garder tous ses souvenirs des pôles des As. Et puis, il faut regarder aussi Camille sur le terrain avec sa caméra. Et que tout le monde applaudissait parce que je crois que c'était un grand homme. Même impression au football où Camille a participé à de nombreux déplacements de la sélection dans la Caraïbe ou aux États-Unis. Un homme incontournable, un passionné effectivement, un érudit du football et du sport en général. Ce sont les mots qui viennent lorsqu'on parle de Camille, de Don Camillo affectueusement. Autre terrain sportif, la mer, le Tour des Yoles Rondes de la Martinique est incontestablement associé aux commentaires de Camille Alexandre. Il a marqué de son empreinte que le Tour de la Martinique, avec le direct, on a échangé énormément. Il a donné une certaine dimension, une certaine couleur à la retransmission directe du Tour de la Martinique. Je crois que le Tour lui doit énormément sur ce plan-là. Autre plan d'eau, la natation, où le journaliste sportif n'a jamais laissé indifférent. On va beaucoup le regretter, même s'il était souvent critiqué. Mais quand il y aura dit en créole, c'est vraiment beau qui va capoter. Camille, c'était une Bible du sport. Camille, c'est aussi et surtout plus de 40 ans de mémoire et d'anecdotes sur toutes les disciplines sportives et une disponibilité à toute épreuve. Toute la mémoire, tout le savoir après 40 ans s'envole aussi. Et c'est tout ça qui nous attriste. Il a été aussi gymnaste à un moment. Donc il avait une sensibilité et il savait qu'il y avait de bonnes qualités sur le terrain. Il a toujours voulu se battre pour que le sport mécanique, dont la moto, puisse exister dans ses émissions. Même nous donner une petite part. La ville Martinique, c'est un départ très souvent, un regroupement à 6 h du matin. Il fait déjà sombre, Camille est là avec sa caméra pour donner les informations. Et puis le Tour de Martinique, toutes nos compétitions cyclistes, les enfants, les seniors, Camille a toujours été présent pour notre sport. Un investissement et un militantisme récompensés il y a quelques mois pour le comité de la jeunesse et des sports. Je crois que Camille a eu cette médaille, les deux, bronze et argent, parce qu'il a été un militant qui a toujours œuvré, même peut-être pas dans les domaines associatifs, mais pour la promotion de tous les sports en général. Il avait une culture de sport, à mon avis, fondamentale, énorme. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Au-delà de sa profession, le journalisme, Camille Alexandre a été et restera une icône du sport martiniquais. Et les sports, portez-vous bien. Merci de votre attention. Des personnalités, mais aussi des anonymes. Camille Alexandre était une icône audiovisuelle. Son décès a touché de très nombreux Martiniquais. Kelly Babo, Guillaume Fressinet. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas au courant. Il est décédé. Ah bon? Si ce matin, certains ont appris la nouvelle avec émotion en direct face à notre caméra. Ça fait un coup, quoi. Ah bon? Ouais. D'autres étaient déjà au courant quand nous sommes arrivés vers 10 h dans le bourg du François. J'étais en train de prier. Quand j'ai entendu ça, j'étais en chair de poule. Franchement. Ça vous a touché? Jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas longtemps, il y avait une émission sur... il disait qu'il avait fait un AVC et tout. Et ça m'a choqué d'entendre cette nouvelle ce matin. Camille Alexandre, un homme, un journaliste, un passionné qui aura marqué des générations de Martiniquais et qui aura laissé sans aucun doute sa trace. Moi, je te connais très bien. C'était un monde qui était assez doué, assez poli et puis respectueux. Et puis, dis-moi ça fait mal du mal, quoi. Quand il me voyait, on se parlait sur le terrain et tout. Et puis, il était toujours au François, en train de rigoler avec les franciscains. Sur le marché du Robert, le nom de Camille est aussi sur toutes les lèvres, apprécié ou non, détracté ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a laissé personne indifférent. Avec les clients, on en a parlé aussi, que ça a choqué tout le monde, quoi. On s'attendait vraiment pas, c'était vraiment la surprise pour nous. Le raid de Ngaou, là je l'ai vu face à face. Vraiment face à face, j'ai vu qui est-ce que Camille Alexandre. Mais je le voyais à la télé, mais là... ça fait chaud, peur, hein? Ça fait mal. Dans les rues du centre-ville de Fort-de-France, les passants tiennent à partager les souvenirs, l'image qu'ils retiennent de Camille Alexandre. Des réactions à chaud, comme quand on écrit quelques lignes dans un livre d'or. C'est un gars déterminé qui aimait bien rigoler aussi, hein, lors de ses interviews. Il m'a dit, le travail là, il fait football, sport martinique en général. Un bel boulot, bravo. Et puis, je pense qu'il y a un bel aussi hommage. Je pense que le football, tout le monde, Camille Alexandre, Kenyan, on en est aussi. Et comment ne pas finir cet hommage populaire sans évoquer ce qui faisait de Camille Alexandre notre Camille à nous. C'est quand il faisait les trucs de cyclisme où il disait top, top, topo bœuf. J'avais entendu une fois topo bœuf et ça m'avait un peu choqué, quoi, en fait. Parce que je sais que quand même un bœuf, ça se déplace et on dit à partir du bœuf, ben, voilà. Ça c'est ta Camille. Et voilà, tout à fait. Et ici, à la station de Martinique la Première, c'est un grand vide qui va assurément se faire sentir. Impossible d'ignorer ce personnage à la forte personnalité qui ne passait pas inaperçu à la rédaction, dans les couloirs. Chacun a une anecdote, une histoire, un souvenir avec lui. Écoutez ces réactions recueillies par Fabienne Léonce. Je peux le dire aujourd'hui fièrement que c'est grâce à Camille Alexandre que j'ai pu entrer à Martinique Première, à l'époque RFO. Et à l'époque, c'était Madame Amélie Dubrias qui faisait signer le contrat. Et sa collaboratrice, Miela Jumeau aussi, m'avait sollicité. Donc, j'ai fait mes premiers pas au sport en Martinique grâce à ce personnage, ce monstre du sport martiniquais. 2006. 2006, c'est le tour de la Martinique des Yolles Rondes. Cette année-là, Camille décide de m'imposer avec lui en plateau sur le direct. Et à ce moment-là, j'y connais pas grand-chose. Et... il devient l'un de mes mentors, en tout cas celui qui correspond à tout ce qui est sport. Il m'a vu arriver ici en tant que pigiste et puis après en tant que rédacteur en chef. Le plus beau souvenir que j'ai de Camille, c'était hier, lorsqu'il est parti pour faire le match de hier soir, en me disant, bon, écoute Alain, comme d'habitude, comme tous les jours, comme tous les week-ends, il m'a dit, je reviens demain, tu as ton blog sport, ne t'inquiète pas. Chacun se souvient vraisemblablement de la fameuse boutade de Camille lors d'un tour cycliste de la Martinique, où, parlant des rescapés d'une certaine étape, il disait que la voiture balai était comme un vol vacances. C'est une expression qui est restée dans toutes les mémoires. Camille Alexandre faisait allusion à cette masse de cyclistes qui avaient dû abandonner parce que vraisemblablement l'étape du jour était trop dure. Il aimait rire même de lui-même et je me rappelle qu'il m'avait surnommé la reine du trésor et chaque fois qu'il me voyait, c'était la reine du trésor, toujours un petit compliment, même pour ma famille qui ne connaissait même pas vraiment. Il avait toujours un petit mot gentil, un petit mot agréable. C'est hyper rare de voir quelqu'un à cet âge qui n'a pas peur de partir à 23h sur un terrain de foot ou sur un terrain de basket et de faire des images, des interviews et de revenir comme ça, frais comme un gardon. Je crois qu'on peut retenir quelqu'un qui avait le goût de l'effort, qui avait l'envie que le sport soit en avant. Camille, c'était quelqu'un qui connaissait bien la politique. Camille me parlait de la Chine, de Poutine. Et il disait lui-même que quand il était jeune, il était maoïste, qu'il a manifesté. Et puis c'était quelqu'un qui se disait tout le temps, mais il faut que tu arrêtes de bosser, il faut que tu te reposes. Et il m'a répondu un jour, le jour où je vais me reposer, Franck, je vais mourir. Donc je préfère continuer de travailler. C'était un bosseur de tout terrain. Il faisait beaucoup de choses, il était loyal, il était précis, c'était un professionnel. Et on perd un ami, on perd un grand homme de télévision. Camille Alexandre arrive dans cette rédaction à la fin des années 70. Il s'imposera peu à peu comme la référence du journalisme sportif. Véritable passionné, il laisse aujourd'hui un grand vide. Il est unique et nous garderons, je pense, le meilleur souvenir que nous avons de lui, bien évidemment. C'est son côté un peu bourru, il bouscule les gens, mais il avait un tel grand cœur aussi à côté de ça. Et puis ce sont toutes les expressions qui ont marqué, en fait, j'allais dire presque le règne de Camille sur les médias, le média en général. Pour d'autres confrères aussi, Camille Alexandre était un personnage à part. Homme à la voix qui porte, toujours prêt à donner un conseil. C'était quelqu'un d'assez ouvert, qui n'hésitait pas vraiment à venir vers les jeunes journalistes. Et il a eu l'occasion de venir vers vous, qui travaillez occasionnellement sur le sport, discuter, échanger, apporter aussi son savoir. Et en ce sens, je trouve que c'est vraiment une grande perte pour la Martinique. Pendant plus de 40 ans, Camille Alexandre a parcouru les terrains. Tous sports confondus, c'était un véritable puits de connaissances. On travaillait avec lui chaque année pour la préparation de la Nuit des Champions et je peux dire que c'était véritablement une mémoire du sport martiniquais. Il connaissait tous les sportifs, tous les anciens, tous les nouveaux, les jeunes et c'est véritablement quelqu'un qui connaissait le monde sportif, j'allais presque dire, sur le bout des doigts. Aimé, parfois moqué, l'homme ne laissait pas indifférent. Camille Alexandre avait une place unique dans le paysage audiovisuel martiniquais. Il laisse derrière lui une femme et deux enfants. Voilà pour les réactions du monde sportif et du journalisme. Voici maintenant celle du public martiniquais avec qui Camille Alexandre a partagé les plus grands moments de la vie sportive. On l'a dit, sa disparition laissera un grand vide, mais ses célèbres formules resteront dans les mémoires à tout jamais. Voyez ces réactions recueillies par Loïc Régis. Ce que j'ai apprécié avec lui, c'est la façon de commenter ces trucs et les petits trucs à côté. Il y a un bébé dans l'aïeul avec ces trucs-là, c'est ce qui va nous manquer. C'était un gars super dans son élément, dans sa façon d'être. Grand journaliste sportif qui parlait franchement, il avait un franc-parler et puis il était bien dans le métier. Il était bien. Je le regrette beaucoup. Une bibliothèque avec, si vous voulez, une gouaille. Une manière de servir, une manière de commenter l'actualité, ça appartenait à une catégorie de personnes. Par exemple, quand il parlait de Champ de Cannes, il est parti dans le Champ de Cannes, Pierre Gilles, et ça faisait tout le monde rigoler, mais ça fait partie de notre spécificité. Camille Alexandre était un très bon journaliste sportif, donc il avait l'art de retransmettre toutes les compétitions sportives de la Martinique. Et je crois qu'il était très apprécié de tous les Martiniquais. On va dire ça, la Martinique sans Camille Alexandre, ça va être quelque chose. Évidemment, l'ensemble de la rédaction d'ATV adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses collègues de Martinique Première. Conformément aux dernières volontés du défunt, il n'y aura pas de veillée. L'enterrement est prévu jeudi prochain. Alors Marie-Josée Ali, on l'a vu, Camille Alexandre a beaucoup compté dans le paysage audiovisuel de Martinique. Il a beaucoup compté dans nos vies, en fait, hein, en Martinique, mais pas seulement. Moi, j'entends beaucoup dire qu'il était un spécialiste du sport martiniquais. Camille avait une ouverture et un désir de sport du monde entier. Camille avait une vision du sport au niveau international. Et le secret de Camille, c'était son cahier. Camille avait un énorme cahier dans lequel depuis donc plus de 40 ans, je le voyais consigné, parce que moi je suis arrivée dans la maison en 73 et Camille en 76, donc ouais. On est arrivés, on a 3 ans de différence. Il consignait toutes les manifestations sportives, tous les espoirs, les profils des gens. Il lisait tous les journaux pour savoir ce qui se passait dans le monde au niveau des sports. C'est le premier qui m'a parlé des sumo comme étant un vecteur sportif. Il avait une curiosité, une passion. C'est-à-dire que cet homme a vécu sa passion toute sa vie et en a fait son métier. C'est totalement, je veux dire, c'est éminemment respectable, et surtout c'est la force de son travail. C'était un travailleur acharné. Camille était capable de couvrir 4 manifestations sportives dans la journée, et c'est vrai que choisir le terrain à son âge et continuer à être sur le terrain et continuer à se battre pour que le sport existe. Je me souviens, quand j'étais rédacteur en chef, le combat c'était: on va trouver l'argent pour faire une émission sportive, on ne peut pas, Marie-Jo, le lundi il faut qu'on ait une émission sportive, il faut qu'on parle de tous les sports, on ne peut pas parler que du football le dimanche. Tous les sports, il y a des pépites en Martinique, il y a des pépites en Guadeloupe, il faut parler du sport, c'est important pour les jeunes. Et Camille avait une culture générale très très large. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'au-delà du sport, c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour le sport, mais au-delà du sport, il tenait aussi à l'actualité en général. Ah mais complètement, c'est-à-dire que moi j'avais des discussions avec Camille qui étaient extrêmement importantes et enrichissantes, parce que Camille parlait de tous les domaines. Ouais, non, je ne ferai jamais être journaliste politique, ah non, jamais, j'aime pas cet univers, etc. Mais il savait tout, il connaissait tout, il avait des jugements, il avait des stratégies, un peu comme le match de foot, il voyait arriver le mec qui avait le ballon au pied et qui allait remporter. Marie-Jo, je te dis, hein, je suis sûre qu'un tel va être... Il avait souvent raison, et moi, ce qui m'a toujours frappée chez lui, c'est que c'était fondamentalement un homme qui se défendait, c'est-à-dire qu'il défendait son périmètre, et son périmètre, c'était le sport, mais c'était un homme bon. Et ce qui fait que vous aviez eu des relations tumultueuses avec lui, mais toujours empreinte de tendresse et d'affection. Je n'ai jamais eu de relations tumultueuses avec Camille. J'en ai eu dans la maison, hein, parce que quand on est rédacteur en chef et directeur régional, la première femme martiniquaise, et qu'on travaille avec les gens avec qui on a beaucoup bossé, et puis qu'on se retrouve leur supérieur hiérarchique, ce n'est pas simple. Lui, et j'ai un caractère particulier, et puis en face de moi, il y avait des gens de caractère et de personnalité, j'ai beaucoup aimé. Mais Camille avait cette franchise, et il me disait: Marie-Jo, je serai toujours à tes côtés. Alors, ça voulait rien dire, parce que toujours à mes côtés, ça veut dire, ça veut pas dire que j'ai toujours raison, mais ça veut dire simplement que, à partir du moment où on fait avancer le dossier du sport, à partir du moment où il voit qu'il y a un effort qui était fait, où on se battait ensemble pour arriver à faire des choses, parce que c'est vrai que l'argent, je ne le prenais pas dans ma poche, hein, c'est un budget, on vous le donne, et puis vous essayez de faire avec. Et Camille était toujours là, et toujours à défendre son bout de gras. Mais il le défendait sérieusement, hein. C'était on ne peut pas ne pas faire d'émissions sportives et tout. On ne peut pas ne pas faire le tour des yoles. Prêt à tout bousculer. Bon. Prêt à tout bousculer. Je me souviens que la première année où je suis arrivée, il y avait des gros problèmes de financement de direction régionale, première direction régionale, et Paris me demande de supprimer le tour des yoles. Je dis mais c'est impossible. C'est juste impossible, je vais trouver l'argent. Et Camille, là, il était à mes côtés à 200%, à m'aider à trouver les solutions, à trouver... c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. J'ai beaucoup admiré et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. C'est un professionnel. Il n'avançait jamais une info qui n'était pas vérifiée. Alors parfois, il était un peu dur avec les gens du sport, parce qu'il avait son jugement personnel sur « Ah ouais, ils n'ont pas fait ça suffisamment, ils n'ont pas fait ça ». Alors c'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques sur sa personnalité, mais grosso modo, son relationnel avec le pays, avec les gens, était formidable. Était formidable. Et on a perdu un grand monsieur. Un grand monsieur, absolument. Merci beaucoup pour ce témoignage, Marie-Jo Zali. Vous le savez, Marie-Jo, Camille Alexandre, c'était le spécialiste des petites phrases, des phrases tirées de son langage bien à lui, qui a aussi forgé sa réputation. Il détournait des proverbes, par exemple, pour les mettre à la sauce locale, et cela l'amusait beaucoup. Au lieu de dire les carottes sont cuites, il disait les fouilles à pain sont cuits, mérous sous corail au lieu d'anguille sous roche. Ça, c'était aussi Camille. Alors, Aurélie Treuil a compilé quelques-unes de ces expressions pour nous. 18h15, l'heure du magazine sportif de la première. Chaque semaine, Camille Alexandre distillait ça et là ces petites phrases devenues cultes aujourd'hui. Ce matin, à l'annonce de la triste nouvelle, nombreux se souviennent de ces formules spontanées, toujours drôles, dont lui seul avait le secret. Un stade Louis-Achille plein comme un vol vacances. La cerise sur le pain doux. Le top sur le bœuf. Au fil des ans, Boss Camille est né sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'échappera pas à l'œil malicieux du dessinateur François Gabour. François qui veut peut-être faire un commentaire. Des pics qu'il n'hésite pas à se lancer lui-même, toujours avec autodérision. Ah oui, aïe, 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 Camille au plateau aujourd'hui. Ah, des plastiques. Moi, attends, mon ami, je te malais. J'ai des plastiques, j'ai des plastiques et on regarde mes lunettes. Ouais. J'ai des lunettes en Dolby stéréo. Ça me permet de voir mieux les lunettes. Nous sommes dans les mollets qui ont fait trembler la carène. Voilà, j'ai des lunettes en Dolby. Camille Alexandre avait aussi toujours un petit mot drôle pour ses collègues en plateau. Magazine dans quelques instants, le champion de Fort-de-France de boxe. Et oui, il s'agit de Cyriaque Sommier. Il était champion et il va présenter les titres du journal de 19h. Et puis on vous attend samedi après-midi, 15h, avec vos enfants déguisés pour le Carnival One. D'accord, ça leur fera plaisir. Merci. Et comment ne pas clôturer par son expression fétiche qui a salué plusieurs générations de Martiniquais. Vive les sports, sportez-vous bien et que votre semaine soit belle. Nous le disions, Camille Alexandre était une figure de la presse en Martinique, mais il était aussi connu en Guadeloupe. Voici les réactions de nos confrères de Guadeloupe la première. Pour certains, c'est le carnaval. Pour d'autres, c'est autre chose. Pour lui, c'était ce sport. C'était le sport. Et je crois que la Martinique tout entière, qu'elle l'ait aimée ou qu'elle ne l'ait pas aimée, a aimé ce dont il a parlé à travers ce qu'il a dit. Pour lui, c'était important d'accompagner le sport martiniquais, d'accompagner le sport guadeloupéen. Et c'est quelqu'un qui prenait le temps de vous donner quelques conseils. Et c'est quelqu'un qui connaît le sport martiniquais, guadeloupéen et guyanais par cœur. C'est un homme qui était un passionné et qui faisait partager sa passion aux téléspectateurs et aux auditeurs martiniquais. Passion qu'il faisait partager avec la passion de la Martinique parce qu'il portait la Martinique dans son cœur. Nous retiendrons aussi que c'était un homme viscéralement attaché à son pays, la Martinique, ce qui pouvait le rendre quelquefois chauvin. En tout cas, Camille, nous ne l'oublierons pas, il avait un style, c'était son style, et il marquait, il a marqué, je crois, le journalisme martiniquais d'une certaine manière, de façon indélébile. Voilà donc ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur la disparition de Camille Alexandre, un homme qui aura marqué le paysage audiovisuel de Martinique. Merci Marie-Josée Ali d'être venue honorer sa mémoire.